Alors, j'avoue, j'ai aucune idée de ce que je vais faire pour cette intro, donc je vais juste te dire intro. Et donc, salut à tous les amis, c'est Sirius, on se retrouve aujourd'hui pour ce 12e épisode de Final Station, qui sera un jeu qui est plutôt long quand même à terminer. On en est quand même déjà à 12 épisodes, et le train... Full bordel, voilà, c'est tout. Oui, pour l'instant c'est tout. Le dernier épisode, on s'était retrouvé un endroit classifié, si je me trompe pas, c'est ça. Un endroit donc classifié, aucune info sur l'endroit, apparemment c'est une base militaire. On a récupéré pas mal de balles, mais j'en ai utilisé énormément. Donc ça a été... On a la métropole. C'est la métropole. On est à la putain de métropole. You're in danger. Ok. You are in danger. La métropole. On est à la métropole, je cours partout. Mais le mec, tu sais, comme ça, il court partout. On est à la métropole. Conducteur de train. Complètement fou, le mec. Je voulais voir ça, en fait. Je suis en train de réfléchir à tout en même temps. C'est un bordel pas possible dans ma tête. Hop là. Est-ce qu'on y est presque? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent me parler? Non. Tant mieux parce qu'on est arrivé, ça m'emmerderait. L'usine de la métropole. Alors, on est à la métropole. Ça veut pas dire qu'on est encore arrivé là où est-ce qu'il faut. Mais c'est déjà énorme. Ça veut dire que la série touche à sa fin. Ce sera peut-être pas le... Ah. L'usine de la métropole, acte terminé. Tout le monde a survécu presque, sauf un. Et c'est... Putain, ça m'emmerde que lui soit mort. Vraiment, vraiment. C'est le sauveur. Save us. Le... Oh putain. Le truc. On dirait que nous sommes en sûreté. Grâce à toi, je sais. Tu es allé si loin. Ah, je reviens de loin. Quoi? Allez où? Pourquoi? Oh mon dieu. Je n'ai pas l'autorisation de faire cela, mais... Vous devez aller au quartier général. Prenez le bus Y7, le vert, c'est le moyen le plus rapide. S'il donne l'autorisation d'ouvrir les portes, j'attends ici. Dépêche. Je me speed, t'en fais pas. J'ai 2-3 trucs à faire quand même avant. Le gardien, voilà, le gardien, c'est rare d'être le gardien. En tout cas, il est badass, il est vraiment classe. Le gardien est bientôt prêt au lancement. Nous avons déjà chargé un générateur principal. Nous connectons le cerveau maintenant. Okidoki. Fais ce que tu veux, écoute. Ah, je peux pas casser les fenêtres. Ça m'emmerde. Trop petit point. Ok, bah écoute, je te dérange pas plus. Mon bro, t'as l'air d'être occupé. Mais pas qu'un peu. Démarrage système prêt. Démarrage moteur prêt. Ravitaillement des munitions disponibles. Communication avec la métropole disponible. Mission ordre de, 24B. Il faut récupérer des trucs qui peuvent ramener de l'argent, de la monnaie, du fric. Histoire... Pardon. Histoire de pouvoir racheter du stuff, parce qu'apparemment c'est pas fini pour nous. La mission principale en tout cas a l'air d'être presque finie, vu que on est à la métropole et c'était le but. Après, le jeu durera peut-être un petit peu plus longtemps. Et oui, une fois que tout le monde aura été examiné, livré au quartier général. Ok. J'essaye d'aider, mais j'ai été suspendu. Ah, j'ai essayé d'aider. Le forgeron, c'est mieux que tout le monde. Quel connard. Nous sommes enfin en sécurité. Oui, du coup, je sais plus ce que je disais. Comment ça va? Quelqu'un t'a ennuyé dans le train? Non. J'étais super sympa, moi. On va prendre le bleu. On verra où est-ce qu'il va ramener. Il avait dit que c'était pour aller au QG. J'ai pas envie de directement me voir partir. Ça coûte combien? Oh putain. Coûte cher. Grande mémoire. C'est le 134e anniversaire de la naissance... de lui. Il est difficile de croire qu'avant la première visite, lui et son frère, Boris... Putain, Bendy me suit partout. Boris, j'en étais où? Boris essayait de devenir des écrivains de science-fiction. On se souvient maintenant d'eux comme des héros de la nation, qui ont dédié leur vie aux sciences et au développement du pays. Énorme bond technologique en début du nouveau siècle. L'énorme bond technologique du début du nouveau siècle est en grande partie dû aux frères.
Nombre des technologies récupérées sur les lieux du premier contact sont bien utilisées par les forces armées, comme l'armure composite à surface miroir employée dans la construction du gardien. Le rayon Criton, et mieux. Les postes van, etc. Grande mémoire, belle fierté. Ok, putain, j'ai payé $50. Hey l'ami, fruits frais, prends-en, sois pas timide. Elle aime. Mon pote a une super ferme locale. On n'a jamais mangé meilleur maïs en épi. Bah écoute, je veux bien te croire. Wesh madame. Ok, vous avez rien pour moi ici. Putain, vous vendez rien dans cette putain de métropole, c'est fou ça. Qu'est-ce que tu veux? Ok, entre. Y'a rien? Tu te fous de ma gueule? T'es sûr que tu veux gérer ce truc? Je crois. Ils ont mis en place un escadron entier pour l'intercepter. Oh, salut. Tu cherches quelque chose? Ouais, des trucs à vendre, putain. Ce que je vends? Gars. Je sais pas qui t'a laissé rentrer ici. Mais si tu ne sais pas, ça veut dire que je n'ai pas besoin de te le dire. Bah non, mais montre-le moi, gros con. Si tu as de l'électronique de rechange... si tu vois de quoi je parle... alors apporte-les moi. Oh. Non, je ne fais que m'entraîner. Je me prépare à remplacer le frère en haut. Ah, ok. Ouais, toi t'es chaud, hein. Je me battrai pas avec toi, t'en fais pas. Allez, on est parti, dans le verre, cette fois. J'aime bien tout visiter, donc voilà. Les jeunes passent trop de temps dans ces clubs. Nous n'avions pas ça quand nous étions jeunes. Non, t'avais des balles, j'imagine. Après, ça a l'air d'être dans le futur, donc j'en sais rien. Ah, de la bouffe. Ah, l'administration est plus loin sur la route. Ok, ça m'aide pas. Oh, la badassitude du truc, waouh. Je crois que c'est le gardien là derrière. Howdy. Bref, on n'a pas le time. Comment j'ai réussi à avoir cet appartement? Il se trouve que c'est juste un couloir meublé. Tout le monde le traverse. Ça doit être chiant, non? Howdy. Oh, il y a deux étages au-dessus. Moi, je cherche l'administration. Waouh. C'est classe. Franchement, c'est super beau. Marc, le dîner n'est pas encore prêt. Joue dehors avec tes amis. Je suis pas Marc. Je pense pas qu'elle est... Je viens de comprendre. Elle a foutu dehors, donc ça veut dire qu'elle est pas spécialement en train de préparer la bouffe, tu vois. Je pense pas qu'elle l'ait poussée dans la cage d'ascenseur. Elle récupère tout après le divorce, de toute façon. Mon principal suspect est le gang des nouveaux conseillers. Ils sont connus pour leur mépris des colons. Les fils de pute. Pardon. Fils de porte. Hé, hey, le PC. Continue, on y est presque. Salut. Vous êtes là pour l'autographe? Non? Bien sûr, je suis certain que vous me connaissez. Mon livre, Gardien, fait ou fiction, est mon œuvre la plus célèbre. Ah, je crois que je l'ai croisé dans le jeu. Jamais entendu parler? Bien. Oh, peut-être pas alors. Toi, t'as rien à dire? Non? Toi?
Oui, David me l'a dit. Écoutez, je comprends tout. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oui. Vous êtes en sécurité ici? Ok, désolé. Je vais ouvrir les portes. Retourne voir David. Je retourne, monsieur. Ah, il y a un truc là. Roger, si le conseil découvre que tu as ouvert les portes principales de la ville sans leur autorisation, je n'aurai même pas le temps de signaler que tu es viré. Je n'aurai même pas le temps de signaler que tu es viré. Ne risque pas tout ce que tu as pour un foutu conducteur de train. Il est trop gentil, le monsieur. Il va se faire virer pour nous. Je suis presque triste de rien pouvoir lui donner. Ça commence à se faire compliqué, là, le tournage. Hein. J'ai vachement mal au dos. Il y a quoi par là? Ok, bon, par là, après, c'est ça. On retourne dans le verre. C'est parti. On se casse. À la maison. Howdy. Maison supérieure de la métropole à l'intention de Martin Pilet. Directeur de la gare de l'usine de la métropole. Confirmation du code du bloqueur 3732. Hey! Dépêche, ils vont bientôt commencer à évacuer l'installation. Le gardien est sur le point d'être lancé. Oh, bonne chance. Merci. Hop, je me casse. 3732. Oh, aïe, 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 c'est tellement classe. Je sais, c'est le truc que j'aurais répété le plus dans cet épisode, mais... Le gardien, il a la classe, putain! Non, c'est ouf. Bon, vu... ouais, ça fait pas trop longtemps. Je crois que on a juste fait la métropole aujourd'hui, donc on va continuer. J'allais dire, vu que je suis pas sûr, on va quand même continuer à en faire. Hein. On verra bien ce que ça donne. Hop, bah maintenant je suis tout seul dans le train. If you can read this, you are in danger. Ah ok, c'est ça que j'avais pas bien lu. Si vous pouvez lire ça, vous êtes en danger. Quoi qu'en fait, ça fait un bon épisode. Donc cette fois, un épisode un peu plus court que d'habitude, les gens. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Un pouce bleu pour la métropole, quand même. Et le gardien qui est tellement classe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos futures. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour être notifié d'absolument tout ce que je fais. Et sur ce, moi je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao. We are lost.